j'ai craché en haut dans l'arbre là-bas. Pas cool, pas cool. Bon, j'avais pas un super flow, mais c'était sympa. Je me suis bien amusé. C'était la deuxième batterie. J'ai fait une première batterie tout à l'heure. Vous avez pas vu, juste pour voir un peu le spot. Et mais il y a un gros spot exploité. Il y a des lignes. C'est fou. Moi, j'adore. J'adore. Je l'entends. Il est juste derrière. Mais le problème, c'est qu'il y a un fossé ici avec des ronces. Faut que je fasse le tour. Là, je suis en short. C'était peut-être pas la bonne idée. Regardez comme ils sont grands, ça passe cool. Il est en haut d'un arbre, de celui-ci. Deux solutions s'offrent à moi. La première, j'essaye de jeter des trucs. Ça peut se tenter pendant peut-être une minute ou deux, après ça va me saouler. Et la deuxième, bah, c'est de grimper à l'arbre et de faire bouger très fort la branche. Donc on va voir, je vais lancer des choses d'abord. Bon, j'ai lancé deux bouts de bois et clairement, ça va être tendu, il va falloir que je monte. Échec, je crois que je vais essayer de mettre du full throttle dans les branches parce que là c'est compliqué. Je pouvais pas monter trop loin au niveau de la branche, hein, sinon c'était trop dangereux. Parce que quand t'es près du tronc, c'est pas grave, tu peux t'agripper à plein de branches, mais quand t'es sur une seule branche, si elle pète, c'est terminé. C'est chiant, j'ai libéré deux hélices. En fait, j'ai un moteur qui est dans une branche à ce niveau-là. Donc clairement, je vois pas comment il peut s'enlever. Bonjour. Chasse pas d'oiseaux. J'essaye d'attraper mon drone qui est en haut. Ah d'accord. Ouais, merci. Ok, bon, les cailloux, c'est jouer un peu sur la chance. Clairement, là, j'en ai pas trop aujourd'hui, je crois. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé un bâton. Je sais que je peux monter là-haut. Bah, le but, c'est que je monte avec ce bâton. Mais ça va être compliqué. Du coup, la solution, c'est d'accrocher une petite corde à ce bâton. Comme ça, je monte avec la corde. Et après, je peux tirer le bâton. Et il faut espérer que ça fonctionne. Et qu'il soit assez long. Bon, je suis au niveau de la branche. Et maintenant, bah, je vais essayer de tirer les bouts de branche que j'ai pris juste en dessous et essayer de toucher le drone qui est derrière là, peut-être à 3-4 mètres. Franchement, la petite corde, elle fait plaisir. Oui, yes. Oh, il s'est bien démonté. J'ai réussi. Je vous l'avais dit qu'on allait réussir, c'était juste une question de temps et d'ingénierie aussi, parce que là, pour le coup, il a fallu être créatif. Ouais, donc voilà, maintenant il va falloir que je descende, que je rembobine tout mon fil parce qu'il est tombé. Mais satisfait, satisfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger dans mon petit van, qui est trop cool d'ailleurs. Waouh, ça bouge. Et on reprend du gros freestyle. Peut-être pas au-dessus de ces gros arbres, voilà, je sais pas. Peut-être pas aujourd'hui. Mais dans le petit bosquet là-bas, ou à fond, à plein de balles dans les vignes. On va faire ça juste après là. Hop. La GoPro s'est arrêtée, ça s'est débranché tout seul, très cool. Ah ben regardez, l'hélice qui dab, là elle était vraiment coincée dans l'arbre quoi. Ah, j'ai faim. From the number one station, this is a story about love, a love story. Le truc c'est que j'ai pas de couteau, j'ai pas d'huile non plus, donc on va faire cuire des œufs avec de l'eau, un peu bouillante. J'ai trouvé un cutter, donc on va se débrouiller. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement changé de quad. L'autre, il chiait. Je sais pas, il y a le RX qui clignotait rouge et vert rapidement. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça pue. Ça pue concrètement. Donc j'ai changé de quad. J'ai mis la GoPro 5 dessus avec un petit filtre ND8, il me semble. Et on va aller ripper fort les arbres. Et je vais essayer de commenter tout ça. Allez, on y va. Il vole pas bien celui-là. Wow. Il y a des rails plus rapides que l'autre. Bon. Allez, c'est pas grave, hein. On va quand même s'amuser. Essayer de pas finir dans un arbre. En tout cas, pas de suite. Oh là là. On va essayer de se balader dans la forêt.
Là, j'ai des petits lags gentils. Là, non, ça va. C'était que quand j'étais haut. Hop, on va passer derrière. Tiens, on va essayer de passer sous le camion. Ouais, le camion, là. Ben, on va essayer de passer dessous. Hop là. Hop là. Ok, ça passe, nickel. Ah, j'ai de la surrotation, hein. J'ai trop de right. Ou alors, un peu trop d'expo. Je ne sais pas. Ouais, ça vole pas bien. J'ai pas vérifié, mais je vais voir si j'ai pas un... si j'ai les moteurs bien fixés. Ce qui fait un peu un sale bruit quand même. Non, je sais pas, vous trouvez pas? Je vais l'amener juste à côté là. Bon, qu'est-ce qu'il a? Oh, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Des fois, il y a des sessions comme ça. J'ai l'impression que ça arrive un peu trop souvent. Là, je me suis pris une après-midi pour voler tranquille et j'ai pas réussi à kiffer, quoi. Purée. Bah, j'ai passé aussi 2 heures ou 1 heure, je sais pas, à chercher le truc dans l'arbre. Là, j'ai mon quad qui a plus fonctionné. Là, j'ai l'impression que j'ai un moteur où j'ai pas de vis mort. Chelou. Et il vole pas super bien. Bref, c'est pas grave, on va quand même voler. Et je vais essayer de finir la lipo, quoi. Low riding. Allez, on vole tout doucement, très bas. Enfin, tout doucement. Ouais. Bon. Allez, on va essayer d'aller un peu vite dans les bois. C'est vrai qu'en HD, c'est beau. Hop là. Ouh, la branche, c'était chaud. Donc, on a le petit camion. Ouf, j'ai tapé fort. Comme vous avez vu, sur le camion, il n'y a pas les panneaux solaires. Attendez, je vais voir s'il n'y a rien. Bah non. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vole avec ma vieille lipo. Je sais pas si vous vous souvenez, le vol que j'ai fait au dévolui, je crois que ça s'appelle comme ça, où j'ai volé peut-être genre 6 minutes, mais en long range, très loin, et j'ai dû poser en catastrophe parce que j'avais plus de batterie. Mais là, elle a quand même de la pêche. On va pas trop faire le fou avec les arbres, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai pas envie de remonter, la flemme, j'ai mis mes tongs, je veux pas les enlever. Alors, ok, on capte bien là, c'est cool, on voit bien. Non mais là en analogique, c'est impossible, non? Je sais pas. Je sais pas s'il y a des gars qui volent en analogique, qui font ce type de vol, mais... Wow. Alors qu'est-ce qu'on va voir comme figure? On va tester un petit éject. Alors là on a un petit éject à droite. En fait voilà, oh, le petit tuto. Hein. L'éject c'est ça, tu te mets sur un côté et boum. Je sais pas si on l'a vu. Mais bref, en vrai on pose souvent la question, ouais fais des tutos sur les figures. Déjà j'en ai fait. De un, bon après ils sont vieux, ok, mais les figures c'est toujours les mêmes. Mais en fait c'est très simple quoi, tu vois. Quand tu veux faire des figures, en fait, tu mets un petit coup de gaz et après tu coupes les gaz. Et après tu tournes dans tous les sens. Comme tu veux. Ouais, comme tu veux. Là, j'ai pris un poteau. Ah non, j'ai cassé une hélice. Eh mais, vraiment, hein, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah là là. J'ai bien envie de parler un peu et de revoler. Parce que je m'amuse quand même et... Ah, c'est un calvaire, là, c'est un calvaire. Carnage. Bon, je vais aller le chercher. Non, j'en ai marre. J'en ai marre. Ah ouais, non, mais là, c'est abusé. Abusé.
Là, je crois que j'ai terminé la session. Ouais, non, en fait, il y a le moteur qui s'est enroulé. Je pense que c'est quand j'ai voulu rearmer. Parce que quand je vous ai dit que le moteur tenait pas, il tenait pas. Et ça, je comprends pas que ces vis s'est foiré. Enfin, incompréhensible. Du coup, le moteur était détaché. J'ai essayé de repartir. Il s'est enroulé, complètement enroulé. Et ben, bien sûr, les câbles se sont sectionnés. Ça a fait court jus et ça a cramé les ESC. Voilà, quand t'as un problème, ben après t'as plein de problèmes. C'est toujours comme ça. Ah là là, il est tout cramé quoi. La FC est morte aussi, j'ai l'impression. Enfin, elle a pris un gros coup de chaud en tout cas. VTX, j'ai pas l'impression et j'espère que non. Sinon, c'est très très chiant. Oh là là, j'en ai marre! Oh, comme si j'avais déjà pas assez de choses à faire. Là, j'ai du bricolage, je dois réparer deux quads. Il m'en reste un. Enfin, j'en ai un deuxième, on s'y pousse. Et il faut que je remette des antennes et tout, bref. Oh là là, ça me saoule. Vraiment, ça m'a saoulé. Voilà. Je crois que le titre de cette vidéo, ça va être assez catastrophique, clairement. J'ai fait 3 lipos aujourd'hui. Ouais, c'est ça. 3 ou 4, allez. Première lipo, je teste, je passe sous le camion. Voilà, je regarde le spot. Tranquillou, deuxième lipo, dans l'arbre. Bon, ça peut arriver, tu vois, j'étais un peu confiant. Bon, ça m'a pris 1h30, je pense, à le récupérer, ou une bonne heure. Bref, et des griffures, ça va saouler, clairement. Et là, le quad qui marche pas après, je remonte un nouveau quad, et là, qui crame, et ça va saouler, c'est bon, j'en ai marre. J'arrête le FPV. Allez, c'est fini. Fini. Je vais faire une chaîne YouTube sur le van, maintenant, je crois. C'est moins risqué. C'est bon, j'ai les pieds propres. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, il n'y avait pas des super good vibes. Mais il faut savoir que dans l'FPV, c'est normal. Des fois, tu as des sessions éclatées, catastrophiques. Et des fois, tu as des sessions juste incroyables. Là, ce jour-là, j'étais mal tombé. Mais c'est comme ça, il faut le savoir. Si ça t'arrive, ben, ok, calme-toi sur l'FPV pendant 1, 2, 3 jours, une semaine. Surtout si tu débutes parce que tu peux cramer des composants, tu peux vraiment t'énerver. Mais il faut pas, parce que la semaine d'après, tu reprends et tu kiffes. Comme là on est en trip, et hier, avant-hier, on a fait des sessions freestyle avec Alexandre FPV, je sais pas si vous connaissez. Il nous a amené sur des spots incroyables, et on s'est régalé. C'était vraiment trop bien, et tu vois, donc t'as des sessions vraiment super bien, comme des sessions bien éclatées. Et une fois que tu le sais, bah, les sessions éclatées, il faut les prendre un peu à la rigolade. Comme moi, je l'ai pris comme un challenge de monter dans l'arbre, et ouais, c'était rigolo. Voilà, j'étais quand même énervé sur le coup, mais c'était rigolo. Bon, allez, je te dis ciao, bonne soirée. Enfin, je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. En tout cas, moi, je te dis peut-être à la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Parce que là, on est en trip et on fait énormément de choses. Donc, peut-être pas la semaine prochaine, il y aura une vidéo, mais dans 2-3 semaines, il y aura des grosses, grosses vidéos. Vraiment, vraiment cool. On a rencontré plein de gens, on a fait plein de trucs vraiment stylés. Donc, ouais, allez, ciao, bye. Non, non, pas dans la vidéo. Ah si, vas-y. Ouais, ma tasse. Vas-y, vas-y, montre-toi. Ah ouais. Fais un coucou et tiens, oui, j'éteins. Ciao.